que é muito importante para a Guiné-Bissau. Como sabem, nós temos herdado uma dificuldade enorme, sobretudo no setor saúde. Agora, essas ambulâncias, como sabem, estão muito bem equipadas, nomeadamente, balões de oxigênio, camas, e até se pode fazer uma intervenção cirúrgica dentro dessas ambulâncias. E por isso agradeço ao meu irmão, o presidente Macky Sall, pelo esse gesto de solidariedade. Para nós não é o número, se tiver aqui 20 ou 30, mas a oferta é sempre bem-vinda. Esse é um gesto para nós inesquecível. E eu posso garantir ao senhor embaixador que depois de afetar essas ambulâncias aos hospitais da Guiné-Bissau, farei o acompanhamento, o uso dessas ambulâncias. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et ce don du président Macky Sall à son frère, le président Ambalo, c'est très important pour nous. Je vis comment ces ambulances sont équipées avec l'équipement de pointe. Ça, c'est très important. Et puis, je peux vous assurer et assurer aussi à mon frère que je ferai l'accompagnement de manière d'utilisation de ces dons-là. Moi, je pense que ça, c'est un geste de solidarité, fraternité et l'amitié. Parce que le Sénégal était toujours derrière la Guinée-Bissau. Avant que je sois président et avant, depuis le temps de Senghor. Ça, c'est une histoire que nous lisons aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur, de transmettre à mon frère aussi qu'on a bien reçu les ambulances. Et si Dieu le veut, Inch'Allah. Tout le peuple bissau-guinéen le remercie. Je remercie le peuple bissau et les Sénégalais pour cette don. Merci beaucoup. Muito obrigado. Após a intervenção do senhor embaixador. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Une des ambulances de marque forte est équipée d'une chaise roulante, d'un scope pour monitoring, d'un collier cervical, et les deux autres de marque Renault ont chacune un scope, un défibrillateur, des attelles gonflables, un électrocardiogramme, un captographe et divers autres équipements. Ce geste de fraternité et de solidarité entre dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la Guinée-Bissau dans la gestion de la riposte face à la pandémie de la COVID-19. Mais il va au-delà. Il est l'expression d'une sincère et d'une vraie fraternité forgée par le sang, l'histoire, le voisinage et la culture. La main qui donne est la même qui reçoit. Et cette assertion trouve toute sa pertinence dans ce contexte bien particulier où un virus nous rappelle que les frontières et les nationalités ne doivent pas être des barrières mais des ponts entre les peuples. Devant cette pandémie qui bouscule nos habitudes, affecte nos économies, bouleverse nos modes de vie et emporte des êtres chers, la solidarité est le meilleur remède. Solidarité dans la prévention de la maladie avec le respect des mesures barrières et solidarité dans sa gestion avec la mutualisation de nos efforts. Ce don de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient soutenir les efforts déjà importants faits par la Guinée-Bissau et qui permettent de limiter la propagation de la maladie. Je vous adresse donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, mes chaleureuses félicitations, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement, au Haut Commissariat et surtout au personnel médical. Ensemble, nous vaincrons ce virus. Je vous remercie.